Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing sur un produit que mon conjoint m'a offert pour mon anniversaire. Donc ça remonte un petit moment déjà. Mais je n'avais pas eu l'occasion de le faire en vidéo. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais le démarrer maintenant et puis je vais le faire en vidéo avec vous. Donc ça va être plutôt sympa. Et je vais également vous montrer ma collection de planches de stickers que j'ai créées depuis quelques semaines. Là, je travaille dessus. Donc je vous montre tout de suite. Alors, je vais commencer déjà par les planches de stickers que vous allez pouvoir retrouver sur ma boutique Etsy. Donc vous avez le lien en bas dans la barre d'infos. Alors j'ai une planche comme ça météo où il y a donc plein de petits nuages, des planètes, des étoiles, des soleils, une lune. Voilà, sur des couleurs un peu plus un peu flash, on va dire, hein, un peu des couleurs vives. Et j'ai fait également un modèle avec des couleurs un peu plus pastel. Voilà, donc c'est à peu près les mêmes symboles, sauf ici où j'ai mis une tornade, mais elle n'est pas sur cette planche là. Voilà, après voilà, je fais des petites variantes comme ça, j'aime bien. Voilà, ensuite j'ai fait à la base, j'avais fait des stickers de El Día de los Muertos. J'avais fait des stickers individuels et là j'ai décidé de les faire en format planche. Voilà. Au départ j'avais fait une grande planche comme ceci avec tout plein de petits crânes comme ceci. Mais je trouvais que ça faisait trop lourd, ça faisait pas beau en présentation. Du coup je les ai fait en petit format sur une petite planche et je trouve ça beaucoup plus sympa. Alors après, il y a des versions mat et je peux faire des versions brillantes aussi. Donc voilà, il n'y a pas de problème, je peux faire les deux. Ensuite, j'ai fait une planche comme ceci, gourmandise, avec plein de petits gâteaux, des petits beignets comme ça, voilà, des cupcakes. Voilà. Voilà. Des jolies couleurs. Ensuite, là, j'ai fait une collection miam miam. Avec... tout ce qu'on peut retrouver pour dans une cuisine, hein, du fromage, du poulet, des poivrons, de la viande, des bananes, un œuf, du café avec sa tasse de café, un petit cupcake, une petite poire, voilà. Et ensuite, j'ai fait une autre version miam miam avec toutes les glaces, voilà, différents parfums, des gâteaux avec différents parfums. Le café, voilà, moi j'en consomme énormément, alors j'ai fait plein de tasses de café, voilà. Voilà, et on peut retrouver quelques petits éléments qui sont identiques, voilà, une petite tomate, la petite poire, le petit croissant, voilà, avec des jolies couleurs bien vives. Et j'ai enfin fait une planche bon anniversaire, avec son petit gâteau d'anniversaire, une petite sucette. Un paquet cadeau comme ceci ou un paquet cadeau comme ça, voilà. Un petit chapeau, un petit cupcake et un sifflet de langue de belle-mère. Voilà, une petite banderole. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt sympa, hein. Forcément, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais si ça vous intéresse, je vais les mettre donc sur la boutique Etsy et vous pourrez donc les voir plus en détail. Allez, je vous montre maintenant donc la petite boîte. Donc c'est une boîte qui se présente comme ceci et à l'intérieur se trouve donc une mini maquette. Donc mon conjoint me l'a offert donc pour mon anniversaire qui était donc au mois de juillet et il m'a offert, je ne me rappelle plus si c'était ce modèle-là
Et donc nous allons ouvrir pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je ne me rappelle plus, je l'avais ouvert le jour même mais je n'ai pas rouvert depuis. Voilà. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Oui, voilà, donc le modèle. Et donc à l'intérieur, il y a toutes les instructions. Alors c'est écrit en anglais. Et il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Il y a de la couture, du rembourrage sur les fauteuils à faire. Voilà, il y a... Alors normalement, il n'y a pas de peinture à faire. Parce que tout est déjà peint. Donc voilà. Après, voilà, il y a un petit ordinateur à construire. Des étagères, des meubles, voilà, avec les faux tiroirs, une petite lampe à construire également, les rideaux qu'il va falloir monter, découper, etc. Voilà, donc là, c'est toutes les instructions en anglais. Il n'y a pas de français du tout, donc on va essayer de se débrouiller. Alors, ici, c'est une pochette avec le tissu, la dentelle. Alors, je vais vous sortir. Ah. De quoi faire le système électrique, le petit boîtier avec les piles, le tissu. Voilà. Tout le petit tissu pour les meubles, la dentelle. Toute fine, toute jolie. Et très douce. C'est très doux, c'est très agréable. Voilà. Un petit carton, bon, je ne sais pas si ce sera utile, mais bon, on verra. Je garde. Alors ça, c'est pour rembourrer le canapé, je suppose. Et donc là, il va falloir que je fasse les découpes dans le tissu, apparemment. J'espère que je ne vais pas me tromper parce que... voilà, on verra. J'espère que ça ira. Ensuite... Donc là, il y a de la ouate. Voilà. Alors là, il y a plein de petits morceaux pour faire des lampes. Pour faire de la décoration sur les étagères, sur les murs. Voilà, il y a plein de petites breloques. Voilà. Ici dans ce sachet, ben, la même chose. Là, il y a des fausses plantes en rose. Là également, en vert, c'est du plastique vert pour faire une fausse plante. Des pots en terre cuite. Un petit chat. Voilà. Un fil de cuivre. Enfin, qui sera pas du cuivre, hein, c'est du fil aluminium. N'importe quoi, moi. Mais... voilà. Alors, hop, je vais remettre dans la petite pochette. Parce qu'il y a des numéros, donc je vais pas non plus tout mélanger, on ne sait jamais. Ensuite ici, ben c'est tous les éléments en bois ben pour faire des étagères, un lit, des escaliers. Il y a un escalier à faire, oui. Donc voilà, toute une pochette avec plein de morceaux de bois. Et ici, c'est pour tout ce qui est structure, la structure générale. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ah ben là, ce sont tous les stickers pour décorer les murs et le sol. Voilà. Le piano avec les notes de musique aussi. Et là, il y a des livres. Un livre. Donc voilà, alors... Il y en a pas mal de choses à faire. Ah, il y a trois feuilles, une troisième planche.
Alors là, ben, ça doit être pour le gabarit des meubles, pour m'indiquer ce qui va ensemble, peut-être. Oui, bon. On va voir. Hein. Je vois qu'il y a une autre feuille encore qui se cache, oui. Oui, c'est encore des patrons ou quelque chose comme ça. Bien, ben écoutez, on va découvrir ensemble au fur et à mesure de la construction. Voilà. Ben écoutez, pour l'instant, pour cette vidéo, je m'arrête là. Puis de toute façon, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, ben pour le montage, pour tout ce qui est montage. Voilà. Tout ce qui est fabrication, ben par exemple pour le canapé, je prends l'exemple du canapé, ben on se trouvera ensemble pour faire cette petite vidéo et ainsi de suite pour après construire l'ensemble de la petite maison. Voilà, tout simplement. Je tiens également à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. Donc je vous dis merci beaucoup, beaucoup. Ça me fait très, très, très plaisir. Et je tiens également à vous remercier enfin, à remercier les personnes qui ont fait des achats sur ma boutique. Voilà, notamment Chicky Rod, là, qui m'a fait une jolie commande. Voilà, de plein d'accessoires, plein de choses différentes en fait. Donc ben, je dis merci beaucoup, beaucoup. Ça me touche beaucoup et ça me fait très très plaisir. Voilà, donc je vous dis maintenant ben, à très bientôt hein, sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Et je vous laisse aller également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ma boutique Etsy. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!